Dieu, viens à mon aide. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi 17 novembre 2017, lus par la sœur Modeste Baguedou Ndéa et le diacre Mathias Etche SMA, commenté par le père Jérôme Anoumou Sassou SMA. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 6, 14 à 22. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église, qui est à Sardes, écrit, ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir. Car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père
et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit. Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille. Achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité. Un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit aux églises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons ensemble le refrain du psaume 14. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable. Mais il honore les fidèles du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore
pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, des occasions pour se convertir, le Seigneur en donne toujours. C'est ce qui ressort de l'évangile du jour à propos de Zachée. Jésus, traversant la ville de Jéricho, dernière étape du dernier voyage, et après avoir donné la vue à un aveugle à l'entrée de la ville de Jéricho, attire l'attention de Zachée qui désire vivement le voir. Il semble porter en lui un seul obstacle qui l'empêche de voir Jésus, sa petite taille. Est-ce réellement un handicap de construction ou le regard qu'il porte sur son handicap, sur sa fragilité? Mais ce qui est impossible aux yeux de l'homme ne l'est pas à ceux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons chercher Dieu, alors que c'est lui le premier qui nous cherche de toute éternité. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison, lui dit Jésus. Et le pape François disait aux jeunes, en 2016, Dieu nous aime tel que nous sommes et aucun péché, défaut ou erreur ne le fera changer d'idée. Amis pécheurs, ose regarder Jésus qui te regarde avec la tendresse du Père. Amis pécheurs, tu n'as été créé par Dieu que pour voir sa face. Ami pécheur, découvre ton pardon les yeux dans les yeux de celui qui t'aime. Zachée peut désormais descendre, s'accepter avec ses misères, ses fraudes et affronter le regard des autres, s'engageant lui-même à une transformation en réparant. Ainsi, Zachée se resitue dans un lien de relations publiques. Lorsqu'il descend, il est écrit qu'il est debout. Il n'est plus petit, il n'est pas devenu grand, mais il est debout, c'est-à-dire ressuscité. Jésus rétablit la personne avec elle-même. Frères et sœurs en Christ, hier, Jésus a choisi d'entrer à Jéricho et de traverser cette ville. Aujourd'hui, Jésus choisit de traverser ma vie, ta vie, nos existences. Il veut visiter les recoins les plus misérables de nos vies
il n'a qu'un désir, que nous osions le laisser regarder ce que nous trouvons de petite taille en nous. Que Sainte Élisabeth de Hongrie, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, intercède pour nous. Amen. Le Saint-Esprit. Amen.